Donc là, je viens après de France qui est parti. J'aurais souhaité prendre ça. Ok, on va prendre une autre personne. Allô, bonjour. Bonjour à vous, madame. Là. Oui. Et vous m'avez demandé, je vous ai dit qu'il avait fait les examens, mais les examens sont sortis. C'est compliqué là, il est positif. Et il est couché à la maison, là, il ne bouge pas. Et vous avez dit aussi, un jour, qu'il a connu une fille qui s'appelait Jolie, par le passé. Oui. S'est rappelé, sinon. Ah, il s'est rappelé de Jolie. Oui. D'accord, vous voyez, quand la prophétie sort, parfois quelqu'un oublie. Et ceux qui ne sont pas matures peuvent penser que non, le prophète est en train de tâtonner. Nous ne tâtonnons pas, nous parlons par révélation. Et donc, il dit que qu'est-ce qui s'est passé avec Jolie? C'était une fille qui vivait avec un homme. Il avait un enfant avec un homme. Et l'homme-là le menaçait trop. Je la menaçais trop. Et après, l'homme a soupçonné. Après, la fille, lui, il était encore très jeune à l'époque. Oui, bien sûr. Il disait qu'il devait s'enfuir pour aller dans le village et faire les charmes. Lui, il a dit que je ne peux pas aller. Parce que tous mes parents sont en vie, comment tu veux que je fuis? Et le jour qu'on est venu chercher cette fille pour partir, il avait fermé toutes les portes. La fille est venue tout fatiguée. Et à la fille est partie, nous ne serons plus jamais revenus. La fille lui disait qu'il aimait beaucoup, il faut qu'il fuit, parce que loin de Yaoundé. D'accord, vous voyez, vous vous imaginez donc que je lui parle d'une fille qui l'a envoûtée et qu'on appelait Jolie et qu'ils disent qu'ils ne se souviennent pas. C'est des choses humaines, ça arrive. Et surtout quand on est malade, et c'est un peu ça. Maintenant, écoutez, le Seigneur va vous donner un signe, ok? Le conseil que je donne à votre fils, c'est de s'accrocher à Jésus-Christ. Qu'il donne sa vie à Christ, qu'il ait sa Bible, qu'il la lise avec passion. Qu'il ait des heures de prière. Pendant qu'il prend son traitement, qu'il prenne la Bible comme un traitement, comme une thérapie. Qu'il lise la Bible le matin à 6 heures. Et il prie. Qu'il lise encore la Bible à midi et il prie. Qu'il lise la Bible à 18h et qu'il prie. Il lit la Bible à minuit et il prie. Le nom de Jésus-Christ qu'il va invoquer pendant ces 4 heures, ça ce sont ces 4 heures, ça ce sont les heures, mes heures de prière que je lui donne. S'il le fait fidèlement, avant un mois, le Dieu des cieux le relèvera de sa maladie. Il va marcher. Et maintenant, il faut que vous compreniez une chose. La guérison divine, soit il peut aller faire les examens, c'est négatif, ou bien il fait les examens, on voit le germe, mais il n'est pas malade de ce germe-là. Ça veut dire qu'il vit sa vie, il vit longtemps, il meurt vieux sans mourir du VIH. Est-ce que vous comprenez? Donc, il suit ce conseil-là, il sera restauré. Et je bénis Dieu pour vous, je vous célèbre. Vous êtes une bonne maman et c'est extraordinaire. Le fait que vous preniez soin de votre enfant, vous ayez tellement de soucis pour lui, que Dieu vous bénisse, ok? D'accord. Bonne guérison à notre enfant, au nom de Jésus-Christ. Amen, Daddy. Amen. Bye.